Allez, on est motivé. Alors, on tourne l'épisode 27 après l'épisode 26. Alors que c'est pas l'épisode 26 et 27, c'est 25 et 26. Donc, les gens, c'est Super Arcana, aussi appelé ça. Et on se retrouve pour le épisode numéro 20 ou je ne sais plus. J'ai la folie, non, moi, je suis fou. Cet arène m'a rendu fou. C'est l'épisode 25, il me semble. Attendez, c'est l'épisode. Le dernier épisode était l'épisode 25, donc celui-là c'est l'épisode 26. Mais je suis en train d'uploader l'épisode 24. Donc l'épisode c'était l'épisode 25, donc celui-là c'est le 26. Bon, Coco Lapin, je dois aller où maintenant? Oh putain, Joker YouTube, sa mère. Ah non, bah Joker YouTube, non. Ah, Colres. Ah, ce rocher bloque le chemin, ça. Je pense que ce rocher... Je ne peux plus le traduire. Please, une minute, s'il te plaît, laisse-moi une minute pour ce qui se passe. Je suis au fond du trou, j'ai même pas envie de traduire. Laisse-moi voir si c'est ce qu'il y a appuyé sur le bouton. Ah bah voilà, merci Colres. Avec ce petit appareil, je peux développer le... finalement, quitter son droit. Un autre problème de résolu, est-ce que tu aimerais faire une bataille? Allez, Colres, vous avez aucune honte d'avoir tout piqué sur Pokémon Noir et Blanc 2. Laissons race pure, hein. Vous savez quoi, les cocos, je vais devoir entraîner mes Pokémon. Putain. Non, mais sérieusement, Libégon top tier, hein. Ah bon? Ouais, bien. Qu'un problème, moi, je m'en fous, hein. De toute façon, dans tous les cas, tu vas crever, hein. J'ai envie de tout casser. Ouais, je parle pas parce que j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis tellement démoralisé à cause du dernier épisode. La démoralisation d'un homme. Tout ça à cause d'un game de merde. Ce son me dit vaguement quelque chose, mais comme je suis tellement démoralisé que je ne vais même pas prendre la peine de chercher quel Pokémon c'est. Ouais, voilà, le ça démoralisé, eh hey, vraiment. Mode gratuite. Top giga cool. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Top giga cool. Top giga cool. Ah. Magnézone. Ça c'est qu'un artichaut, hein. Best non ever, hein, les gars. Qu'un artichaut, il peut avoir un poireau. Blague recyclée des jours et des jours.
des bandades de morue. J'utilise des mots que je suis seul, suis-je le seul à connaître. Des bandades. Si vous savez pas ce que ça veut dire, allez sur Larousse. Larousse, le petit Robert, qu'est-ce qu'il y a encore comme, comme dictionnaire, chose que vous ne connaissez pas. Bien sûr. Metagross, voilà, hein, le best non ever en anglais, hein, Metagross. Hein. Metagross dans le camion. Ouais. Metagross dans le... Metagross devant la télé aussi. Ah là là, le meilleur dans les insultes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Metagross devant le frigo, hein. Comme ça, sera encore plus grosse. Ah 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 ah. Metagross, oh putain. Metalos, putain. Putain, en plus, ils auraient pu le mettre en anglais, hein, Metalos. Hein. Moi, je trouve plus classe, hein, parce que mais Colosse... Shadow of Colossus, ouais aussi, bah Metacolossus, bien sûr. Allez, Coco, c'est Coco qui régale avec ce nom, allez. Metagross, voilà. J'aurais eu ça en français, j'aurais tellement rigolé. Hé, attends, Coco, y'a un Anguille sous roche, là, je suis pas d'accord. Depuis quand les Metagross, c'est plus gros que... Depuis combien de temps les Metagross, depuis qu'ils ont fait une attaque agilité, ils sont plus rapides que les Flambusards? Ah non, Coco, il est pas content là. Ah non, 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 là je suis pas d'accord. Ah, je suis désolé. Je suis navré, mais là c'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, 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 non. Ah non, 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 pas d'accord là. Ah non, 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 non. Ah non, 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 là, non, y a pas... c'est pas négociable là, Coco. Ah non 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 non. C'est pas bien là. C'est de la triche, Coco, ouais. What the fuck? C'est quoi le fuck? Bon, j'ai gagné, c'est ce qui compte. On est trop ça dans l'histoire. Piafeu. Piafeu monte au niveau 17. Top giga cool. C'est ici con. Oh, je me suis pris un bam. Oh là là, sanctionné. Tiens, bonne blague, tiens. Nique ta mère, le good pot. Ah, mais vous pouvez pas comprendre en fait que je suis autre chose à côté. Alors c'est quoi cet endroit? Je vais pas regarder le nom, attendez. La Moss Cave, attendez. Y'a baston dans l'air là, attendez. En toi le gros, t'es un gros. C'est pas une insulte, hein. C'est un déterminatif. Ah, c'est un pyromane.
Ouais, je suis pas dans le jeu là. Hein. Je suis plus dans le jeu là, Coco. Hein. Je suis ailleurs là. Le bot. Ah, déflagration. Oui, bon. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui joue à ma place. Hein. Je vous rassure. Hein. Pas encore. Hein. On ne m'a pas encore pris ma place. C'est juste que je regarde un vieux truc. Je regarde mon avertissement que je me suis pris par le bot GLaDOS. Seuls certains pourront comprendre. Un vieux truc encore, hein, tu peux pas poser tranquille, hein, tu te prends un strike, vas-y. La gratuité, hein, tout ceci. Hein. La gratuité d'un bot. Tu peux rien faire, t'es en prison. La gratuité, voilà. Tu peux rien faire, sérieusement, quoi. Tu poses un truc, ça y est, qui est légèrement hors sujet. C'est bon, c'est la dictature qui se ramène. Les motifs en béton, hein. Alors, des nonulés niveau 36. Putain, niveau 36, vous êtes sérieux dans vos têtes? Donc, on va mettre... Ah ouais, je suis fatigué le cario. Il s'en est pris plein la bouche. Donc j'ai pas acheté des trucs pour le soigner. Je note que en trouvant en dessus le
Comme par hasard, je trouve un truc, comment ça s'appelle, un modulite en premier, puis là maintenant, quand j'entraîne mon truc, bah voilà, je tombe sur... J'entraîne le Majaspic, je tombe sur un chauve-souris. La joie de l'aléatoire. Hein. Alors c'est pas où la sortie? Oh, une revival herbe, ça te sert à rien, c'est merde. Ça te rappelle un Pokémon, mais il ne t'aime pas parce que c'est ça amer comme la rage, ton bordel. Un racaillou. Bah, je l'aurais pu me tromper, hein. ça n'aurait pu être un racaillou. Ah, c'était par là. Quel débile. Baggy Guan, bon, que voulez-vous, hein, y a rien à dire. Hein. Je regarde la déchéance d'un site. D'un site, bon, avec les petits indices que j'ai dit auparavant, vous vous doutez ce que c'est. La déchéance d'un site. Pas compris la manœuvre. Bon bah là je défends des Pokémon de merde, donc putain, niveau 35 quoi, c'est abusé les bas level quoi. Ok, le gars qui a une musique de meuf. Je suis gay. Bah, c'est ton problème, hein. C'est ton histoire, hein. C'est ton problème, non, c'est pas un problème, c'est ta vie, on s'en fout. J'ai pensé que j'ai jamais compris les homophobes quoi. Ah tiens, un crabac. J'ai jamais compris les homophobes. Quel intérêt à je sais pas, être homophobe, je sais pas, j'ai jamais compris le concept quoi. Quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Toi t'es pas gay, c'est alors, c'est ton problème. Voilà, vous voyez. C'est ton problème. Non, c'est ta vie, on s'en fout. Si l'autre qui est gay, bah. Ça te regarde pas, il fait ce qu'il veut de sa vie, je sais pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'ai jamais compris. Pourquoi il y a des mecs qui voulaient absolument taper bah sur des gays. J'ai jamais compris le délire. Un gigalite. Je sais pas, il fait ce qu'il veut de sa vie. S'il aime les hommes et que c'est un homme, si c'est une femme qui aime les femmes, c'est son problème, c'est sa vie. Je sais pas, t'as pas à intervenir dedans. Sauf si c'est un mec de ta famille, bon, si ça te pose problème, bah, c'est tout. Tu vois plus la personne et tu te calmes. Je sais pas, j'ai pas compris. Je le comprends pas, ce genre de personne. Ce genre de personne. C'est même pas les gays, bah c'est leur problème. Ils les aiment pas, ils vont pas aller chercher la merde avec eux quoi. Respectez-vous, c'est des êtres humains comme vous quoi. C'est clair que les connards. Ah je dis, là j'ai le droit de le dire, les connards. Oh là là, cassez-vous avec votre religion. Croyant ce que vous voulez, mais forcez pas les autres à croire à vos conneries, c'est tout. Oh, je vais en frustrer, putain, oh mon dieu, ça, qui dit que c'est... qui parle de sujets qui fâchent, oh là là, allez. Calmez-vous, les enfants, calmez-vous. Des mots, oui, certes, des mots peuvent blesser, mais n'ont jamais cassé trois pattes à un canard, hein. Ah, évidemment. Non mais sérieusement, j'ai jamais compris le délire. Il est gay, moquez-vous de lui. Et alors. C'est bien, il fait suivre de sa vie, hein.
j'ai pas à intervenir dedans, hein, dans le processus. Après, il y a des mecs. Ça, pourquoi t'as envoyé ton Lucario? Je me souvenais plus du nom de ce Pokémon, du coup, bah j'ai envoyé Lucario dans le pif. Ouais, mais j'aime pas les PD. Très bien. Mais je m'en fous. On s'en bat les couilles. Et alors? Non, mais. Sérieusement, c'est quoi le délire? Pourquoi aller frapper des personnes homosexuelles? Quel est l'intérêt? À part passer pour un gros débile, surtout. Surtout! Alors tu passes pour un connard ultime, hein. Moi je te regarde même pas, hein. Sérieux, t'es de la merde là, mec. T'as aucun intérêt dans la vie, quoi. Sérieusement. Tape un autre être humain juste parce qu'il n'a pas les mêmes relations sexuelles que toi. Attends, c'est de la discrimination, coco, hein. C'est comme si toi on se foutrait de ta gueule parce que t'es, je sais pas, t'as des chaussures rouges. C'est débile. Pareil pour les religions, alors les religions, bon, certains qui font de la religion, voilà, c'était pas bien dans leur tête, hein, ils sont pas seuls. Ah, j'ose le dire, hein, il y en a, ils sont pas bien dans leur tête, la religion c'est toute ma vie. Je suis prêt à vendre mon corps pour la religion. Ah, mais c'est complètement ça. Hein. Croyez en vos religions, mais n'allez pas le dire, ouais, la religion c'est tout pour moi, ouais. Et qu'est-ce que t'as fait la religion pour toi? Hein? Pourquoi es-tu prêt à... Donc elle en est sortie. Bah elle est toute petite cette route, dis donc. Du carbos, donc du carbone. Donc je sais pas combien de temps de vidéo on est là en ce moment, on est à 22 minutes, très bien. Encore un petit quart d'heure, allez, Coco Lapin il est chaud là. Là je remonte le moral, tiens. Je m'en contrefous de ce qu'ils disent, hein. Bien sûr je ne traduis plus. Hein. Un Onyx. Ah, les types roches sol, c'est mes dada, hein. Je leur défonce la gueule. Bon, par contre, les mecs, il y a certaines personnes, ils méritent des claques. Hein. Mais quelle personne tu parles? Je sais plus, j'ai perdu. Je sais plus de qui je voulais parler en fait. J'ai perdu le fil. Merde, j'ai sali l'écran, bravo. Bravo Coco Lapin, hein. Dégage tout. Oh là là, il sait pas tenir. Il sait pas être propre cet enfant, il sait pas. Quoi, tu te décris comme un enfant? Il m'a eu. Il m'a eu. Oui, on est encore un enfant à 19 ans, hein. Bah bien sûr, évidemment. Tu es encore un enfant. C'est pour ça que t'as toujours un téléphone dans ta main à 19 ans. Ou un bédo, allez. Le téléphone bientôt sera gravé sur ta main quand tu vas naître. Comme ça, t'auras plus besoin de le sortir, il sera gravé dans ta main. Ah, parce qu'il y a un truc qui me fait ultra rigoler, bah qui me fait rigoler, mais bien sûr, je ne rigole pas devant les gens qui le font. C'est les gens qui ont leur téléphone toujours dans la main. Ah putain, sa mère peut pas vivre sans son téléphone. Ah bah non, elle va rater un message de Gwendoline, donc ça va chier là. Ou du Jean-Marc, putain, c'est pire. Ah non, mais faut parler mal des gens derrière leur dos surtout. Ah, le nombre d'hypocrites au monde.
Ah, il y en a, le monde est hypocrite, t'es obligé d'être hypocrite dans la vie. T'es obligé d'être hypocrite. Ah, ça parle des sujets, il faut pas parler. Mais t'es obligé d'être hypocrite, tu peux pas dire en face des gens ce que tu penses. Si tu le dis vraiment en pense, tu vas les blesser. Au pire, t'es vraiment un monstre. Osef, allez, je te blesse, connard. Tu passes pour un gros débile et personne t'aime. Malheureusement, tu dis la vérité, mais voilà, tu es haï. Mais t'es obligé d'être hypocrite, faut vraiment être dans ton travail, t'es obligé d'être hypocrite. Tu t'aimerais dire à ton patron que c'est un connard, mais tu peux pas lui dire, sinon bah t'es viré. Bah après, du coup t'es obligé de faire du lèche-boule. Bon ça c'est pour les cas particuliers. Mais t'es obligé d'être hypocrite. Moi je suis hypocrite, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'hypocrite sur votre dos? Qu'est-ce que je pourrais dire de vrai? Bah vous êtes Ah bah sur le coup y'a rien qui me vient. Mais quand je dis ce jeu c'est de la chiasse, je le pense vraiment. Un cliff faible, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un trou slim. Je le pense vraiment. Quand je dis que quelqu'un écrit mal, je lui dis aussi. Bah non, je lui dis pas, je m'en fous. Tant qu'il me fait pas des fautes à chaque mot. Ah non, c'était un mélofé. C'est un mélofé, ça, c'est un mélodef, espèce de connard. Ah oui, on est passé de fée à elfe. Ah oui, ça c'est un elfe. Bien sûr, on y croit, Coco Lapin. Coco Lapin! Compte de la merde en boîte. Métronome. Très bon film, hein, Métronome. C'est pas un film, c'est un livre. Ah bah, le hasard fait bien les choses, on va dire. Non, mais voilà, t'es obligé d'être hypocrite dans la vie. Bah pourquoi j'enlève mon micro, je suis con moi aussi. Je suis pas bien. Je suis pas bien, les gars. Si tu l'es pas, c'est que tu vas baisser les gens et tu vas finir seul. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux dire à tout le monde ce que tu penses de lui, hein. Mais tu risques d'être souvent seul, hein. C'est dommage, hein. Parce que tout le monde n'est pas apte à la critique, hein. Moi, je sais pas, par exemple, faites-moi une critique que vous pouvez me dire que je gueule souvent, bah c'est vrai. Je suis un gueuleur professionnel depuis que j'ai... Oh, je gueule souvent, hein. Ah, depuis les jeux vidéo, oh, les jeux vidéo m'ont fait gueuler plus d'une fois. Ah, oui. Ah, il y a certains jeux vidéo, mais ils sont cons, oh mon dieu. Bah, celui-là, seul, par exemple. Dark Zim, bah j'ai poussé des gueulantes... immense ça aussi hein. Ah ouais mais Dark Cuisine c'était voulu, attends. C'était cherché. C'était cherché Dark Cuisine. C'était vraiment pourri. Hein. Quand je dis qu'ils sont pourris en fait les jeux. C'est pas qu'ils sont pourris, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont vraiment chiants à. Bah qui pourrissent le jeu je trouve, qui te font pas que tu peux plaire le jeu. Bah je dois avouer que sur The Resurrection j'ai aimé à certains moments le jeu. Bah là, la coup de la reine de l'amulette, la reine 7, ça m'a saoulé, ça m'a pas plu, ça m'a. J'étais à deux doigts de lâcher le jeu quoi, j'étais à deux doigts de l'abandon hein. J'étais à deux doigts d'abandonner le jeu hein. Vous étiez tous témoins. Donc là, la strat, elle est simple, hein, le mec brûle. J'en profite pour me soigner pendant un tour. La stratégie d'enfant de salaud. Hein. Ah, ah. Ah, putain. J'avais cru avoir tout calculé à l'exact pixel, mais bon. On m'a eu. Pareil pour Dark Rising, il y a de certains moments, j'ai voulu tourner plusieurs épisodes parce que ça me plaisait. Bon, c'était très rare ces moments-là parce que les trois quarts du temps, j'en avais plus marre qu'autre chose. Mais il m'arrivait par moments d'être surpris d'avoir de me plaire sur Dark Rising. Pareil pour Victory Fire, hein, pendant les coulisses de ça, j'ai quand même aimé à par moments le jeu. Bon, c'était par moments, pas tout le temps.
Je réfléchis, chers amis, je réfléchis. Est-ce que je vais dans la prochaine ville? Je rush pour aller dans la prochaine ville ou... On va rusher, les cocos. On va rusher, les amis. On va rusher comme des sagouins. 30 minutes. Ouais, allez, Coco Lapin, il est gentil avec vous. Super, Ghana a décidé d'être clément. Oui, je me parle à la troisième personne. Donc pour ça, si on veut rusher dans les bonnes conditions. Ah bah évidemment, attends, tu veux rusher, fais-le bien. Rush, mais rush bien. Faut se respecter. Alors je suis sûr, je suis étonnamment surpris de voir qu'un Flagado est plus rapide qu'un Malconior. Ah, un Diamat. Ça c'est pas bon. C'est pas bon pour l'immatricule. Hein. Ok, ça passe du temps à faire des grimaces. Donc ben, je pense que ma phrase était bien. Vont faire leur retour sur la chaîne. Je vais peut-être les refaire sur Visual Boy. Je me promets rien, mais je vais peut-être les refaire. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Je crois que c'était dans le sapin. Peut-être. Conditionnel. Oh bien sûr, évidemment, Coco Lapin, il est en face d'un Pokémon de type plante. Que fait le Coco Lapin? Une attaque de type ténèbres. Ce mec a tout compris. Oh mais ça par exemple, ça me plaît pas. Le coup de du coup, donc ça c'est un coup de pute évidemment, hein. Ça j'aime pas. Clairement le coup de pute comme ça. Le coup, ah t'es apeuré, lol. Du coup tu vas perdre. Ah des Onyx. Ah combat duo. Un Raichu et un Galam. Alors là je suis pas bon dans les deux cas. Je suis pas bon du tout dans quoi qu'il arrive. Je suis pas bon les cocos. Niveau 67 pour le manque. Prochain Pokémon. Oh putain, oh putain, oh putain. Dracosaume, Dracochop. Elle. Oui, je fous speed là. Bon, j'ai perdu un Pokémon. Ah, ça commence à être chaud du cul, hein. Chaud du pantalon. Hein. Encore un? Putain, mais il y en a combien ce trou du cul? Voilà, on a gagné. Décris le combat. C'était bien. Un bon combat. C'était un très bon combat. Bon, le gamin, au revoir. Ah, je fous speed, hein. Désolé les cocos, mais... Là, il y a le train à prendre. Hein. Alors lui, j'ai jamais su s'il était faible contre le type combat, mais faut croire que non. Le type insecte, c'est vrai qu'il est résistant contre le... Dante, en plus, il s'appelle. Il s'appelait Dante. Ah, des racailles lol, ouais, bien sûr, évidemment. Des racailles au niveau 36, hein, bien sûr. Hein. Ça pourrait être des gros laits, mais bien sûr que non. Ah, voilà un Pokémon qui se fait exploser. Bon, cet endroit, il pue la merde. Hein. Niveau spot d'entraînement, j'ai déjà vu mieux. Hein. Ah, je le fais pas esprit. Hein. Je ne le fais pas esprit. Bon, allez où la ville? J'aimerais arriver à Chinchilla City avant la fin de cet épisode. Bien sûr, on va rater son attaque. Non. Ah, bah c'est Kinder Bueno. Slowking, bien sûr, je ne suis pas. J'attends toujours le dernier moment. Faut... Ah, bah il est bien sûr mon Pokémon qui peut le buter. KO. Lol, lol, lol. MDR, la vie, c'est la vie. Allez, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Non, tu vas crever. Tu vas crever. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Eh putain, c'est bon là. Oh la tactique. La strat de Schlinger, vas-y. On est au point. Alors, il y a quoi comme Pokémon? On est au point quand même de se rendre compte que Libellion il est plus puissant que notre starter. Voilà, on est arrivé à Chinchilla City. Donc, on peut arrêter de full speed. On a fait ça en 5 minutes. On prend du son souffle.
On va aller au centre Pokémon. Ah bah dis donc, c'est une belle arène. Et là, l'arène, on fera le prochain épisode. Arnie, un repairman of the city. We are ready on him. C'est la dernière arène, Coco. Hein. C'est la dernière arène. Qu'on fera au prochain épisode, à l'épisode 27. Ah, on est à la fin du jeu, les cocos. Putain. Ouais, il reste encore une dizaine d'épisodes hein, dans Resolution. Resolution, comme on dit. Comme j'aime le dire. J'entraînerai mes Pokémon, je pense. Mais les Pokémon sauvages sont quand même que niveau 46. Mais d'abord, on va se balader. Je trouve qu'il y a des bons trucs. En tout cas, les maisons sont bien faites. You know, tu sais pourquoi cette ville est un look classique. La raison, cette arène est un endroit de paix pour les gens qui vivent. Pas besoin de changer quelque chose dans ce bon endroit. Voilà. Pourquoi changer alors que la vie est belle? La vie dans cette ville peut être classique, mais nos habitations n'ont jamais changé depuis. Ah. Ouais. En gros, c'est des flemmards. Ici, le bâtiment, il s'effronde. Hein. Attention. Hein. Les maisons, ils ont plus de 20 ans. Bah si. Non, ils s'enfondent pas. Étant donné qu'ils ont... Bah si, ils ont besoin quand même de bâtisseurs pour en cas où les maisons pètent la gueule. Ah. Du pognon pour le roi du pognon. Des rappels pour le dieu des rappels. Voilà. Le pognon, ça sert pour le dépenser. Faut dépenser le pognon. Donc on va visiter la ville et après on va s'arrêter là. Ah, une grande maison. C'est quoi cette maison? Cherche la City Department. Ok, on ira voir au prochain épisode parce que les grosses maisons non. Chinchilla City. Alors Chinchilla apparemment c'est le nom à cet endroit je suis déjà allé. Il n'y a pas beaucoup de maisons, dis donc. Les maisons elles sont classe. Hein. J'avoue avoir adoré cette ville. Elle est pas mal. Oh, un Emolga. My Pokémon est mignon sûrement. Attends, Coco. Attends. Tu m'échanges quoi comme Pokémon? Elle m'échange son... Un Rogolandra contre un Rapst. C'est quoi un Rapst? C'est quoi l'anglais? C'est pas... Non, mais ta gueule. Qui s'appelle Rast. Je l'ai pas rencontré. Ah, un Tarsal. Des Tarsals. J'en avais vu à un moment, mais je me souviens plus où. La fontaine, elle est sympa. Alors là, on peut pas y aller. Ah, chute de rocher, donc on peut pas y aller. Donc c'est là où aura lieu la suite du jeu. Et ce sera buggé évidemment. Donc on pourra pas. Quoi. Ouais, si, ce sera là la suite. La fin du jeu ce soir. Là, j'y suis déjà allé. On est bien d'accord. Bon, bah, on va aller au département. Hein. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de maisons dans cet endroit. Ouais, il n'y a pas beaucoup de maisons. Il hein. Y a beaucoup de maisons, mais sans porte. Alors, ça, j'ai jamais rien compris dans les Pokémon. Pourquoi il n'y a pas de porte dans les maisons. Boy, Dan. J'ai 10 ans maintenant. Je pense que j'ai pour mon Pokémon une guignol. Oh bien sûr mon enfant, tiens, un Magikarp pour eux. T'es sérieux? Son premier Pokémon c'est un Magikarp. Oh putain ce troll. Oh là là, c'est dégoûtant. Dégoûtant de faire ce genre de troll. Est-ce que tu connais Shepin? Il ne peut pas rester proprement. Ah un Shepin, donc c'est un marisson. Le mec, il me donne un marisson comme ça, calme. Oui, Shepin, c'est marisson, hein. J'en souviens de son. Est-ce que tu connais les 4 de Sylon? Il y a Atus, Crepitus, Death et Mason. Et Death. Ah, et Death qui a été le champion d'une arène de Tyrone. Death, ça me dit quelque chose, Death. C'est pas le mec Dark qui était à l'arène 3 dans... Chercher la département et force de visiteurs et les invalidants des autres régions. Moi je viens de Sinnoh. Ah! En gros, c'est le département des pauvres. Eh, hey, Mewtwo.
Shut up, ferme-la. Ok, la violence. C'est la violence, hein, dis donc. Et on arrive au dernier étage, donc on va bientôt s'arrêter là. La vue est grande, on peut voir la salon depuis ici. Ah ouais. Ok, on a tout visité. Bon bah on a gagné un marisson et un élu sable. Que je vais donner sur le champ. Ah bah non, je peux pas le donner. Tiens, dans un objet. Ah, le choix crucial. Le choix. Le mauvais choix. Est-ce que je lui donne du sable pour que séisme, ça fait super mal avec l'ibégon? Alors non. On va jeter un coup d'œil à la reine. Apparemment, il n'y a pas de dress combat. Ok. Très beau. J'adore la peinture, hein. J'adore la tapisserie, dis donc. J'aurais pu me fail, hein, les gars. Il aurait pu avoir un combat. Hein. Et là, j'aurais eu mal. Donc, les gens, ça va être la fin de cet épisode. Alors, bien sûr, comme vous êtes tous témoins, vous avez vu que l'épisode 1 n'a pas fail. Hein. Pourquoi j'ai rigolé? C'est pas drôle. Voilà, on sauvegarde, on est tous témoins de la sauvegarde. Donc si le jeu me fait une carotte, on est tous témoins que c'est le jeu qui a fait la carotte. Donc les gens, on va s'arrêter pour l'épisode 26 de Pokémon Resolution. Dans le prochain épisode, je vais entraîner mes Pokémon pour l'arène, pour la dernière arène. Et on va la fera, et on gagnera, parce que on est les meilleurs. Je sais pas jusqu'au quel niveau j'entraîne mes Pokémon. 75, ça me paraît bien. Au pire, si je perds. Au pire, si je perds, je les entraînerai jusqu'au niveau 80. Bon, je pense que l'arène, oula, j'ai du mal à conclure cette vidéo. Au pire, je les entraînerai jusqu'au niveau 80 pour la ligue. Je pense que les Pokémon des Ligue 4 sont à niveau 80 dans ces eaux-là. On verra, de toute façon, on verra. Donc, les gens, on se revient bientôt pour l'épisode numéro 26 de Pokémon Dark Crisis, n'importe quoi, de Resolute Version. Dites-le si la porte est ouverte, c'était super arcane.